Bonjour les amis. Je vais vous présenter une très rare monnaie royale française en or, le lis d'or. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Le lis d'or a été frappé en 1656 et en 1657, au début du règne de Louis XIV. La pièce est composée d'or pur à 958 millième et pèse 4,045 grammes. Son diamètre est de 24 mm. On doit cette pièce au graveur Claude Blaru, qui travaillait sous la direction du célèbre Jean Varin, créateur des premiers louis d'or. La pièce doit son nom aux nombreuses fleurs de lys que l'on peut voir aussi bien à la verre qu'au revers mais aussi à la légende latine qui orne son revers. Cette légende signifie Seigneur, tu as choisi le lys. Le lys est en effet le symbole de la monarchie française. On peut voir à l'avers une croix formée de quatre fleurs de lys couronnées. Une lettre A se trouve dans un cercle au cœur de la croix. Il s'agit de la lettre de l'atelier monétaire où a été frappée la pièce, c'est-à-dire Paris. La croix centrale est cantonnée de quatre petits lits divergents du centre. Au revers se trouve l'écu de France couronné, soutenu par deux anges. Le millésime accosté de deux points est représenté à l'exergue. La fabrication de cette pièce a été lancée après un édit royal du 23 décembre 1655. La raison de la fabrication de cette nouvelle pièce était l'existence supposée de nombreux faux louis d'or. Grâce à la finesse de sa gravure, à son titre d'or fin plus élevé et à sa couleur plus jaune que les louis d'or, le nouveau lys d'or devait être quasiment impossible à imiter. Le lys d'or contenait de l'or pur à 958 millièmes contre de l'or pur à seulement 917 millièmes pour le louis d'or, soit un titre d'or fin supérieur de 4,5%. La fabrication des pièces qui s'inscrivaient dans l'ébauche d'un nouveau système monétaire commença en 1656. 259 422 pièces ont été fabriquées cette année-là et seuls 4706 pièces ont été produites en 1657. En effet, les nouvelles pièces se heurtèrent aux réticences des marchands et du public. Les pièces furent rapidement abandonnées. Ce sont les louis d'or, frappés depuis la fin du règne de Louis XIII et qui représentaient le portrait du roi qui devait s'imposer durablement comme la pièce d'or française de référence. Les louis d'or ont été retirées de la circulation, puis démonétisées définitivement en 1679. Les pièces frappées en 1657 sont excessivement rares. Seules 36 listes d'or ont été proposées à la vente entre 1914 et 2006, soit en un peu moins d'un siècle. Bien qu'un peu moins rares, les listes d'or de l'année 1656 sont très recherchées et manquent à de nombreuses collections de monnaies royales. Ces monnaies valent, selon leur état, entre 4000 et 8000 euros. Si vous souhaitez en savoir plus et acheter des pièces, cliquez sur les liens sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Vous pouvez bien entendu laisser vos questions, remarques ou commentaires dans le fil de discussion sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.